Hey, hey, hey. Alors, on est reparti pour la suite de Tell Me Why. Et je vais désespérément essayer de ne pas penser à la chanson de Backstreet Boys. C'est foutu. Heidi. Hey, beautiful. You okay? Because, girl, you look like shit. Haven't been sleeping well. Ah ouais, c'est celle dont on avait oublié Hey, l'anniversaire. that's how much I love you, right? Oh. Well, I appreciate us having a girl's lunch anyway. Just give me 5 minutes so I can finish off this paperwork. Oh, no rush. I need to drop off some stuff with Eddie. All right. Oh, help yourself to some cobbler. Mrs. Romero sent it over after I caught her flasher. It's in the break room. You better hurry before Greg's kills it off. Mrs. Romero's cobbler? I'm on it. I'll meet you in there when I'm done with this. Alors, est-ce que j'ai... Oh, les caméras. Intruder free, like it should be. Est-ce que j'ai de nouvelles choses à découvrir dans cette salle? Bon, les gens disparus, je les avais déjà vus. Je me demande quand même qu'il se serait passé si j'avais regardé dans What are son you working casier. on? Chief pulled over a truck for speeding this morning and found some illegal game in the back. I'm registering the ticket. They never learn, do they? No. I can't imagine having my mugshot taken right here in front of everyone. Ah, c'est pour ça qu'il y a ce machin. Oh. Effectivement, ça me rappelle quelque chose. Bonjour, Kawette. Alors, on lui donne pas le cadeau. Je trouve que c'est pas... 1, 2, 3, c'est peut-être pas Who forcément le says you can moment. spend the night here? Try not to hang out upstairs too long. Chief's orders. Sorry. Mais t'as vu qu'il n'est pas content qu'on était dans les archives. Sounds like Eddie's busy. I shouldn't bother him. Je peux regarder. Probably shouldn't eavesdrop, but no more snooping. I should probably drop the paperwork here. Eddie's gonna be busy for a while. Je Wasn't regarde. there. He's really letting that guy have it. No more snooping. Ah, c'est pas drôle. I guess we kind of exposed some holes in their security. Important. Nouvelle procédure d'accès aux archives. Enregistrez une demande sur le réseau interne à l'aide de vos identifiants personnels. Récupérez le code à usage unique envoyé automatiquement par email. Entrez le code de la porte à usage unique. Code valable pendant 1 heure. Effectivement, je pense qu'on ne pourra pas y retourner. Je peux me poser mais j'étais censée aller goûter un crumble. Actualité de Délos, vol de boîte aux lettres, le suspect court toujours. Les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme se préparent à la grève des dockers. Petite annonce, jolie maison au bord du lac, proche glacier. Contact Tina, agence immobilière Westhouse. Je pense que c'est leur maison à eux. Alors, j'ai rien suivi, mais pour une fois, je pense que je suis suffisamment attentive pour avoir compris ce qui se passe. Bon. Et en parlant de suivre ce qui se passe, où est Crumble? Paris qui a du crumble. Give it to me. Hey Grex. Hey Allison. What brings you here today? Nothing really. Just waiting for Dee. Then pull up a chair. Je vais prendre l'assiette déjà servie qu'on sait pas à qui elle est. Il y a que moi qui trouve ça espèce. Dessert for lunch. Pretty cool, right? Pretty cool. Yeah. I've always had a sweet tooth. Got it from my mom. She baked darn near every day. Need to start being a little careful, though. Doctor's orders. Brenda may be in for it, too. God, that kid can eat. Linda's pretty concerned, but, growing boys, right? He needs the extra energy. Oh, qu'est-ce qui cause? This may be her best batch ever.
right? What are you having? Trout pie and black radish. Il a l'air heureux. Cobbler diet? Hey, shh, shh, shh. I won't tell if you won't. What you reading? Oh, about that dock strike and the trouble these folks are causing for everyone else. Ugh, hate strikes. What is this, Paris, France? Come on! It's the only way most people have to get anyone to listen. Ok. Je peux pas me tirer? La criminalité, mais pourquoi? On va parler du vol de boîte aux lettres? So, what's the criminal underbelly of Delos Crossing been up to lately? Poachers, vandalism, a few memorable cases of public indecency. Nothing too serious, which is fine by me. Boring is good. I don't like Juno. My daughter's always begging to move there, but that is not happening. Why? Juno's awesome. There's like actual things to do there. Drugs, that's why. Property crimes double the national average. People coming in all the time from God knows where. Oh, I didn't know that. Hey, Gregs. Got any big vacation plans coming up? Yeah, we'll probably go up to Anchorage for Thanksgiving. Linda's sister lives up that way. But I'm also secretly planning a family trip to New York City for New Year's. Been saving for 2 years, and I got it all arranged under a fake email. That's really cool. I'd love to go there someday. Et moi donc. Our last big trip before Lauren's off to college, so I wanted to make it count. I'm sure everyone will have a great time. Hey, sorry. Elle va annuler. You'll never believe it. We caught the mailbox bandit. Oh. Guess who it was? Un animal. An animal? Like a raccoon, maybe? Have you been eavesdropping in on official? Ah, génial! Il y a un raton laveur voleur de boîte aux lettres. Yeah, it's a raccoon. Delos Crossing's most wanted turned out to be some trash panda stowaway. Ah non, un pandarou et un raton laveur, c'est pas la même chose. Anyway, I'm so sorry to bail, but I gotta run this little guy to animal control now. Oh, je veux venir. Oh, it's okay. Totally, I understand. Duty calls. Thanks. Mais pourquoi je peux pas venir? Je veux le voir, le raccoon. I brought you a little something to make up for missing your birthday. It's not much, but... You're kidding. I love it. Did you make this? How did I get so lucky? Delos Crossing's not going to be the same without you, girl. Oh, come on. Right, I'll call you later. And try to get some sleep, all right? See ya. Well, there go my lunch plans. Hey, your brother didn't tag along today? No. He didn't really want to show his face around here after the mess he made yesterday, huh? Yeah, I'm sorry about that. It got kind of out of hand. Don't worry. We know it wasn't your idea, but look, we're all worried about you. This isn't the Allison we know. The Allison you know? Yeah. The sweet, smart girl who never hurt anyone on purpose. I know you two and the chief made peace, but I gotta say, it ate at him all day. We did what we had to get what we needed. Juste non, en fait. Il a pas à dire ça. Déjà que ça peut lui foutre. I've been doing this for a long time. And people... mostly don't change, even when we really want them to. Oof. I'm really tired. Can we not do this? Allison, I like you. I really do. I've known you since you were a kid. You're honest, stable. You're not a troublemaker. Tired. I mean, if he goes down, don't let him take you with him.
Mais arrête de la toucher! C'est quoi son problème à ce type? Il est pas un peu loin? Mais quoi, c'est un putain de téléphone portable leur truc? Je sais pas pourquoi j'appuie sur A. Je sais pas ce que je dois faire. Mais la touche pour faire correspondre au cercle. Attends quoi? Ah! T'as pas envie de me l'expliquer avant? C'est quoi ce truc? J'ai un nombre de vies? À quel moment ça calme une crise d'angoisse, ça? C'est en train de m'en donner une. Yo! Bon, on se calme. Voilà. Je me demandais s'il y a vraiment des applications pour gérer les crises d'angoisse. Probablement en fait. Voilà. These people are gonna be like, or when I'm gonna see you again. We can still undo it. We can tell them what really happened. No way. It's done. That's it. You're gonna be there to talk on the voice if I need you, right? Of course. It'll almost be like we're still together. It's time to get going now. Come on. Wait, Chief. Just a sec. Hey, I went back to the house. Got a few things for you. I know how much he's meant to you. Thank you. Thank you, Sam. Les gobelins. This is just goodbye till next time, okay? C'est horrible. Allison? What are you doing out here? It's freezing. I just needed some air. What happened? What's wrong, little moose? I think I had a panic attack. Comment ça tu crois? It's gonna be okay. Let's get you inside and warmed up. Then we can talk about what happened. Mon chat qui fait la pelle à neige de l'autre côté. Oui, non, pas toi. Don't be. You haven't had an attack in a while. What's going on? I've just been so wrong about everything. Did Tyler say something to make you feel that way?
No. It wasn't him. It was me. I failed him. Over and over. From here, it looks like you've been busting your ass to help him. You don't understand. Allie, t'es pas obligée d'être méchante. With Tyler coming back, il te fout tes pieds sur le canapé. You know, maybe it's time to ease off some of this other stuff that's clearly stressing you out. If you mean Marianne, I can't. I owe it to Tyler to see it through. Do you? I don't know why you've always blamed yourself for that. It wasn't your fault. Je veux dire, c'est pas vrai. That's not true, Uncle. I was there. You were 11 years old. There was nothing you could do. You can't go on letting it haunt your every waking moment. J'essaie d'être honnête. You're not your mother, okay? What do you mean? I mean, something happened to her. Something bad. I don't know what it was, but it never left her. You can't make that same mistake. You gotta tell those ghosts to move on. J'ai envie qu'elle lui dise la vérité, en fait. Bah, elle a besoin d'être aidée par rapport à ça. Uncle. It was me. I is the one who had the scissors. What? Le fait de le dire, ça ne peut déjà que l'aider. Hein. Et maintenant tu fais quoi? Il y a prescription, je crois. C'est vrai, ça se passe comment ça? Parce que pour lui, c'est considéré comme légitime défense. Mais pour elle, t'as le droit de tuer quelqu'un qui essaie de tuer quelqu'un devant toi? Mais pourquoi il enfonce le... C'est méchant ce qu'il fait. Mais comme il a dit, elle avait 11 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'elle prenne une décision? Oui. C'est pas très crédible comme bruitage de pleurs, je trouve. It's not easy to admit something like that. It takes a lot of courage, Allison. I should have seen it. Bon, les gars, tu vas pas tout ramener à toi là. So sorry. None of this was fair to you too. Voilà. Il va peut-être comprendre qu'il doit arrêter d'être méchant avec son neveu. Je sais même pas si c'est son neveu. Bah visiblement non. Il avait pas l'air d'être le frère. Il avait plus l'air d'être un pote. Je sais pas. Thank you, Uncle.
Any better? Relieved, actually. Bah oui, y a pas de secret. Really tired. I was remembering something earlier. I don't know if it even really happened. The day Tyler left for Fireweed, did Sam come by with some of our stuff? Yeah, that's right. He did. Il a fait apporter nos gobelins. C'est évident que c'était les gobelins. I remember he brought us our goblin figurines. And we had a big group hug. Yeah. He borrowed the house keys so he can go out and get them. He was over at our house a lot. Fixing things, chasing off animals. I know you didn't turn up anything about who our biological father was. But did you ever think it might have been Sam? Oof. Well, your mom and him were close, so no, that's a possibility, but I never found any proof, no. I should go talk to him. Je pense pas que ça puisse être lui. A good idea? You need to get some rest. I have to do this. And not just for Tyler. For me too. Il aime trop les deux et Marianne pour l'avoir menacé de lui prendre la garde des gosses. D'autant qu'en plus, selon les histoires, il a demandé un mariage tous les ans. Donc, nope. Ça ne colle pas. Après, on n'a plus vraiment de piste pour trouver qui c'est. Donc ça vaudra le coup de l'interroger, je pense, mais... Qu'est-ce qu'il fait? You can do this. Do this what? On est où? C'est un genre de ranch? Ça, c'est là où habite Sam, à mon avis. Out of the order, go around. C'est hors service, faites le tour. Ok. Mais c'est pas ouf de faire ça sans Tyler. Et du coup, j'ai pas eu la figurine qui était dehors. J'ai pas eu l'occasion d'avoir des interactions après. C'est chiant. J'étais pas dans cet épisode, c'était dans le précédent, mais... Mais voilà, il faut regarder tous les épisodes pour comprendre ce que je dis. Ça coulait. Voilà. C'est le moment où je vais prendre un air mélancolique. C'est le moment où dans un Life is Strange, il y aura une bande-son. Et des pensées personnelles terribles. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, Allie, hello. Hi, Sam. Are you okay? Yeah, I'm fine. Bon. Tu m'excuseras, mais avant de te parler, je vais fouiller tes papiers. Je voulais discuter. I was hoping to... I wanted to check out your boat, is all. C'est pas ça que j'ai choisi. All right, here she is. Il y a un courrier déchiré. Tribunal du premier district d'Alaska contre Samuel Konski. Conduite en état d'ivresse. Vous êtes appelé à comparaître dans le cadre de cette plainte à la date et à l'heure suivante. 15h30, le 13 décembre. Présence obligatoire. Non, merde. Non, ça va. Banque de Curtis. Compte. Transfert de fonds de chèque personnel, $350, $366.
Ok, c'est des trucs de pognon. À la maison. Back at the house, I guess. So, what's he getting up to today? Who knows? Bulletin de vote, Association des pêcheurs d'Alaska, élection du représentant régional du Sud-Est, membre du bureau exécutif. Jonathan Shelby, ok, j'en ai rien, na, kiki. Ça par contre, ça a l'air intéressant. Salut cousin, je t'ai laissé mon bateau il y a un mois et je crois que tout ce que t'as fait dessus, c'est tester le nombre de bières que tu pouvais caser. Mais chut. On va dire douloureusement. Physically painful. It'll be a miracle if I don't throw out my back. Let your brother do the heavy lifting. So he can throw his back out? Saute pas sur ton frère, toi. Kawette, arrête. Mais t'es méchant. Ça va, elle a sauté à côté. J'ai payé en avance pour te rendre service parce que je sais que t'as besoin d'argent, mais bordel, il me faut mon bateau, la famille c'est la famille. M'occupe-toi de ça d'ici ce week-end où je déclare volé et je sais que t'en as marre d'avoir Brown sur le dos. PS, décroche ton putain de téléphone. Prendre. Ah mais je voulais pas faire ça, je voulais prendre ça. Je sais pas quoi ça me servir, mais j'ai vu que je pouvais le prendre, alors je prends. C'est Docteur Gameus, tu vas bien? Mais vous me coupez dans mes lectures avec vos discussions. Je veux savoir ce qu'il arrive aux huîtres. Les huîtres meurent à une vitesse sans précédent en raison d'un taux d'acidité accru des océaniques. Augmentation du taux de dioxyde menace la survie de tous les organismes marins et pousse certains scientifiques à redouter le pire. Voilà. C'est tout à fait terrible. C'est pas le moment de discuter. Je te parlerai après quand j'aurai fait le tour. Cette pizza est excessivement plate. C'est quoi ça? The introduction will be forever burned in my brain. Political College of the Marine World. Impressive collection. You want some? Take them. I don't really navigate anymore. Thanks. Hey, an encyclopedia of astronomy. I have this one. Oh, yeah. That's a good one. Real detail. Je sais pas si je pouvais lui répondre aux autres trucs. Well, how are you supposed to navigate if you don't know your ass from Orion? I guess. Oh, that's a really nice sextant. Well, it sure is. It's a present for my old crew for my 30th birthday. C'est joli, je trouve. It's beautiful. Well, it's mostly just for decoration these days, but I'm a big fan of doing things the old-fashioned way. Ok. Je sais pas c'est quoi la bombe que j'ai ramassée. Visiblement, on s'en fout. Visiblement, il s'en cogne complètement que je me balade dans le truc et que je fouille tous les papiers sans lui adresser la parole. Je peux appuyer sur le bouton. Non. C'est dommage. Que quoi? Hollow? Oh yeah. You gotta get her up out of the water so you can fix up the hull. And I've been missing the tools I need, so it's taking a while. No bananas on board?
Really? Right. It's not just superstition. This one time, this greenhorn brought one on board. Well, you wouldn't believe the day we had. Sérieux? Je veux savoir. I'm listening. So what'd you do? Well, we dropped anchor, and I had to dive under and cut out the net. Of course, when we finally managed to fix the damn thing and head it back in, there it was on the horizon. A nasty mother of a storm. Spent the trip back riding out the biggest damn waves I've ever seen. 30 footers, if you can believe it. All because of a banana. All because of a banana. Mad banana. Je me demande s'il y a une vraie superstition sur les bananes à bord. Je me demande si c'est pas parce qu'ils ont pas osé mettre pas de femmes à bord. Ça me paraîtrait un peu bizarre vu qu'ils abordent quand même des thématiques beaucoup plus graves que ça. Enfin, beaucoup plus graves que ça. Oui, je considère que les superstitions sur les femmes sur les bateaux, c'est pas... What are you doing? Cousin Billy bought an old motorboat, but that fool drowned the engine taking her out. Yeah, I told him I'd fix it. Alors, j'ai ramassé un truc en bombe. J'imagine que ça t'intéresse de l'avoir. Oh, thanks, princess, but that ain't it. It's a red can. Princess. Je savais même pas que tu cherchais une bombe. Having some trouble? Can't get these nuts loose because my idiot cousin let them rust. I got a can of rust remover somewhere. If you come across it, pass it over, yeah? Ok, donc c'est ça le bon ordre des choses. Normalement, d'abord il me demande la bombe et puis après je la cherche. Il a dit c'est rouge. Ça. C'est un peu gris. Il n'y a rien là-dedans? Ça c'est rouge, mais je sais pas si je peux en prendre plusieurs à la fois en fait. Tiens, il y a du rouge dessus. À mon avis, c'est là-dedans. Voilà. Good. Now let's see. Should be just about. Ça n'a pas l'air. Sam, are you our father? Oh putain, la violence. Figured you'd ask me that question someday. Et la réponse. Et non. I'm sorry, Allie. But the man you're looking for, he ain't me. Oh, okay. Guess I'll just take your word for it then. Hey, you got no right coming in here, getting angry at me for something I got nothing to do with. Mais c'est pas lui, c'est évident. Et ça, c'est méchant, mais je... You honestly think I would have let you two grow up without a father? Non. I may be a deadbeat, but
something. I truly don't. Your mama, she never... Look, we were just friends. I mean, take a look at old Sam. No woman like Marianne would ever think twice about a guy like me. I'm so sick of this. I'm so tired of trying to unravel all of Marianne's fucking secrets. I don't understand her. I want to hate her so much. But I don't even know who she was. Come with me. I want to show you something. J'ai un humour nul. Je dirais pas ce qui me passait par l'esprit. Mais c'était clairement inapproprié. Oh. When was the last time you cracked a window? Alors, je vais continuer encore un peu. Looking sharp, first mate Kansky. What's that now? These pictures. Oh, well, yeah, that was a long time ago. Ça, j'aurais deviné. Where did you travel to? Mostly worked the Southeast Asia route. Vietnam, Cambodia, around those parts. Wow. I had no idea you were so worldly. Well, I worked on a cargo, so I didn't get much shore leave. But, you know, there's really nowhere my legs feel as steady as on the deck of a ship, steering her toward a deep blue horizon. What do you do on board? Oh, I worked the deck. Started out doing maintenance. Collecting the garbage, cleaning the hull. Ranked up to navigation after a while. Right. Hence the sextant. Parc national Glacier Bay vous souhaite la bienvenue. C'est qui ce gosse? C'est Ellie Tyler? Eh, je peux ouvrir la fenêtre. Le manque d'intérêt évident pour le fait qu'il veut montrer un truc. J'ai dit, je vais te montrer un truc. Attends, je vais d'abord fouiller à ton bureau. Il parle à qui? À moi? Merde! Je veux voir ça. Le boat captain, chef crew member. Capitaine héroïque a sauvé son équipage. Samuel Konski, capitaine de l'Agnac-Chakros, âgé 29 ans, n'a pas hésité deux fois avant de se jeter dans les eaux glacées de Mitchell Point pour secourir ses membres d'équipage après chavirement de leur navire au large de Juno. Alors ça, c'est pas une photo de ma mère. Elle avait pas autant de barbe. Oh, j'ai trouvé le nounours. Je lui pique un truc dans son tiroir et rien à foutre. Ce manque de respect total. Hey, come have a look. Mais seconde, je fais le tour. Why is there a burnt up pan in your garbage? Might have fallen asleep cooking dinner. Glad you're still with us. Alors, 28 octobre 2015, paiement à l'heure de Samuel Konski, $150 Richard Konski. J'imagine. Mais il l'a pas encaissé du coup. Si? Je sais pas comment ça marche l'échec. Gratin de saumon. Pourquoi il y a des recettes partout? Le but, c'est que je les prépare ou... Planification des repas. On peut bien me dire que je suis une maniaque de l'organisation, mais j'ai jamais été jusque-là.
Tu veux que j'aille où, au juste? Je m'assure sur ce truc? Je vais d'abord examiner ça. I remember this. We got this on our trip to Juno. She saved up for a whole year to make that happen. Cher Sam, je t'écris depuis le petit hôtel que tu m'as conseillé dans le centre de Juno et tu avais raison, les enfants adorent la fresque avec les baleines. On a aussi aimé celle avec les corbeaux à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, on a pris le tramway pour monter sur le mont Roberts. Les enfants voulaient monter à pied, mais on a dû s'arrêter au totem. Aujourd'hui, on part en randonnée jusqu'aux cascades Nugget pour voir si le glacier a toujours la même allure de ce côté-ci. On croise les doigts. J'espère que la pêche est bonne, Marianne. Une carte d'anniversaire. Ça manque de personnalisation. Cher Sam, la plupart des ours ne vivent que 20 ou 25 ans, alors je te félicite d'être arrivé jusqu'à 29. Je n'aurais pas survécu longtemps ici sans toi, alors encore une fois, merci pour tout ce que tu fais. Laura a beaucoup de chance de t'avoir. Je sais que pour toi, le meilleur est déjà passé, mais tant que tu n'oublies pas l'Agnacchak, Rose pourra toujours prendre la mer. Il aura juste l'air un peu plus petit dans nos souvenirs. Je suis perdue là. J'espère que tu pourras passer du temps en mer avec Richie ce week-end, que tu feras de belles prises et on gardera de jolis souvenirs. Joyeux anniversaire, mon très cher ami Marianne. Oui, Chrissy, que puis-je pour toi? Ça veut dire que tous mes chats sont à l'intérieur. C'est totalement le bon moment pour aller fermer la fenêtre qui donne sur leur enclos. S'il te plaît, reste à l'intérieur. Ah, pourquoi tu me donnes un coup de tête? Ah, attends, je dois parler. Ça t'a plu à toi? C'était un livre? Je vais demander si ça t'a plu à toi. Et j'ai un chat qui ressort. That's a fail. She looks happy. She was. When was this? Why are you wearing a square hat? Oh, yeah, that was when I finally got my captain's license. Marianne's the one who pushed me to get it. Made me wear that stupid hat when I went to take the oath. Huh. Yeah, Laura took this one. We'd been working on that barn for months. That roof was a son of a bitch to sheath. Rain just kept on leaking into the loft. Wait, the barn has a loft? Oh, yeah. You didn't know? No, she didn't tell us. Is that a trap door? Yeah, Jimmy closed the whole thing up. Told her it was going to be real hard to get any hay up there, but she said she didn't mind. Do you know what's up there? I could tell she didn't want to talk about it, so I respected that. Well, we're going to have to empty it out for the sale, so I guess we'll know soon enough. Ellie, you really going to go through with this? It's like I told you, that house meant everything to your mama. It's all we got left. You can't just throw it away. On va dire que je suis désolé. Il est en train de partir en couille là. I'm sorry. Pas de soucis, Lecteur Gameuse. Merci de ton passage. Et bon live.
Maybe it would help to talk to someone about it? I ever tell you about the time I broke my leg? Shinbone snapped in three different places. Stuck in my ass for a month. No use to anybody. I was so down, I couldn't even bring myself to get out of bed. But your mama, she doesn't have none of that. She got me up one morning and drove me to a nice spot by the harbor. I watched the boats come in and out one morning. You can't let yourself be defined by the parts that are broken. That's what you told me. You gotta find a way to work with what you got. I think about that a lot. Gotta remember. Bon, je pensais qu'il allait devenir violent, finalement il s'est juste endormi. Après, peut-être que si j'avais donné l'autre réponse, il serait énervé. Oula, ça lag. Et non, Dr. Gameus, pour répondre à ta question, j'ai pas augmenté du tout, je crois. Mais franchement, ça me dérange pas. Moi, je préfère streamer pour le plaisir et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Hein. C'est l'heure du petit bonhomme. Et le petit bonhomme veut dire, je pense, un point de sauvegarde. Sauf qu'en vrai, j'en sais rien. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et je reprendrai, à mon avis, un peu plus tard dans la soirée. Pour ne pas dire, je vais peut-être carrément presque enchaîner. Mais voilà, dans tous les cas, pour ceux qui regardent les rediffs, ce sera dans un prochain épisode. Et en attendant, je vous dis bye bye.